Un match OM Lorient. Voilà, du coup les sons, désolé. Là, est-ce que ça bug ou pas? Dites-le moi, s'il vous plaît. Comme... voilà, regardez le film. Regardez... ah, là, putain, il est passé. Hein. Ah, je nique la photo, désolé. C'est pas grave. Regardez, ils ont envoyé un film. Aïe, ça risque de prendre de feu, là. Eh bien, merci beaucoup, du coup les sœurs, on se retrouve aujourd'hui pour, je répète, le live d'avant-match OM Lorient avec la préparation des tifos pour Nanar Tapie. Regardez déjà là, ils ont mis le portrait de Bernard Tapie. À 20h43 à chaîne 6. 20h43, je coupe le live. J'ai l'autorisation jusqu'à 20h43. Vas-y, pas plus. Allez, ça, normalement là ça bug plus. Comme on s'y met en 1080p 60 fps et ça passe pas au mode 4G vu que je suis encore à la 5G. Du coup là on est en 720p 30 fps. Voilà.
pour vivre une expérience unique. Je crois qu'on était en relation avec le Covid en terrasse. L'intérieur de cet espace unique, il y a une demande en production exceptionnelle. On se débattait après des joueurs. Vous assistiez à des événements, vous assistiez, vous voyez, en porte-louse à l'échauffement des joueurs. Vous voyez, je pense, sur les écrans géants. Et si c'était vous la prochaine fois, pour participer à cette expérience unique, tentez de gagner vos places en suivant les comptes Orange et Le Grand et la team Orange Football. Bon match à vous. Dites-moi, est-ce que ça bug ou pas, s'il vous plaît? Comment on a relancé le flux en moins bonne qualité? Est-ce que ça bug ou pas, s'il vous plaît? Dites-le moi, s'il vous plaît. Allez, merci à Sensis. On est vraiment désolé de la qualité de la vidéo de ce live, mais bon, pour que vous ayez une qualité optimale, on est obligé de réduire la qualité de ce live. Désolé. Thank you.
Allez, désormais l'heure de retrouver notre Hamza et découvrir ce qui se passe sur les parvis du stade. C'est parti. Pour l'OM, un but de Matt Guendouzi et un but de Milik. Et vous, les sangs, c'est quoi vos pronostics? Dites-le moi dans le chat. Votre pronostic pour ce match, les sangs, dans le chat. H6 dit 3-1 pour l'OM. H6, c'est qui pour toi les buteurs ce soir? Les Sancho, vous vivrez, en direct les deux incroyables tifos en mémoire de Bernard Tapie. Vous les vivrez en direct live sur ce live, les Sancho. Et vous les aurez aussi en replay, en vidéo qui sortira d'ici 45 minutes, 1 heure.
Elias, j'ai pas le droit de diffusion. Je peux pas le. Même si je continue, le live va s'arrêter automatiquement. Du coup, je pourrai pas.
Vous savez venir pour ce match contre la Lorraine également pour rendre hommage à Bernard Tapie. Nous sommes en bord terrain avec les représentants de tous les groupes de supporters. Lors de la cérémonie ici au stade, nous allons commencer avec Franck Demuller, un magnifique texte qui va vous le lire maintenant pour rendre hommage à M. Bernard Tapie. Bonsoir Marseille. À toute la famille des supporters, président, nous, groupe conseiller, supporters, nous sommes réunis ce soir pour te rendre le hommage, le vrai, celui des tribunes. Nous nous voulons te remercier, fiers d'être Marseillais, de père en fils, de mère en fille, depuis des générations, notre histoire a fait notre vie. Notre ville a façonné notre identité. Marseille était Marseille avant Tapie et Marseille est encore plus Marseille après Tapie. En prenant le club et Tech, tu en as rallumé la flamme pour l'amener au sommet. A confiant à ses enfants l'animation de tribune, tu as créé un mythe. Riche, pauvre, bien ou mal né, tu nous as donné à tous notre bonne étoile. Celle que nous mettons au-dessus de notre blason. Celle que le père raconte à son fils comme une belle histoire. Celle que les hommes, leur belle manière, leur pognon, nous envient. Boss, nous te donnons cet imprescriptible sentiment que y a chaque souffle de nos vies, héroïque ou misérable, résonne comme au fond de nous, comme une véritable victoire. Le soir de 93, tu as fait de nous l'éternel vainqueur. Nous sommes à jamais, grâce à toi, les capitaines du Fosséa, les buteurs de la tête, ceux qui, en soulevant la coupe aux grandes oreilles, ont continué d'y inviter, réussi leur vie. Tous à jamais les premiers. Pour nous, tu as payé le prix d'un bonheur qu'ils ont oublié, qu'ils ont vécu comme un enfant, dans leur commission, leur ligue, leur fédération, dans leurs journaux, leurs tribunaux. Ils ont voulu se venger, nous enfoncer et te détruire. Ils ne savaient pas qu'on ne construit pas un budget, un mythe, une identité. Ton dernier combat nous a rendus encore plus fiers. Il a fait plier ceux qui n'avaient jamais de respect. Tu as foncé dans le respect de ceux qui ne nous ont jamais montré. Tu as renforcé la fierté de ceux, tes enfants, qui regardent leur père et savent ce qu'ils lui doivent. Nous, supporters, vieux, jeunes, riches, pauvres, nous voulions te dire, qu'importe les larmes et les hommages, qu'importe les pleurs aux frottons du monument, qu'importe le nom des rues, le nom des places ou des tribunes, la postérité ne s'écrit plus, elle se transmet. Nous, supporters, à notre manière, avec nos mots, nos chants, notre ferveur, nous te disons au revoir aujourd'hui et à demain. Car demain, dans ce stade, dans nos tribunes, ici à Marseille, au fin fond de la France, en Europe et dans le monde, tes filles, tes fils, nos enfants continueront à défier le monde. Dans la joie, les chants, la furie et l'allégresse. Ils montreront, grâce à leur boss, ce qu'on a refusé que d'être marseillais. Encore une fois, merci boss, merci papy.
Jean-Christophe et Yannick, qui est un jeune de 46 ans, ancien joueur de centre de formation, qui a commencé pour sa famille ce soir. Pense également à Eric Fanny, international de la Nouvelle, qui continue à nous soutenir son équipe après son état. Il aura supporté l'OM jusqu'à son dernier souffle, en français, pour nous assez proche, qui a pris une photo du courage. Pense également à Philippe Maillet, ancien joueur de l'OM, lors de la saison 75-76, qui joue avec des copains. Nous adressons toute une certaine alliance à sa famille. Merci beaucoup. Thank you.
Maxime, l'entraîneur, de l'Olympique de Marseille.